ושבור 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 אולינו מארץ עברנו ותוליכנו מהירה קוממיות לארצנו Trouvette Carcar Guimel, page 446, passage Yudalet, on est presque à la fin. Rabbeinu dit dans la Torah Vav qu'il y a deux sortes de clients. Il y a un client qui vient acheter du neft, du pétrole, et il y a un client qui vient acheter du parfum. Maintenant, quand ces deux clients ils rentrent dans la pharmacie, où avant c'était le même qui vendait ça, l'apothicaire, je ne sais pas comment ils appelaient ça. Alors il leur dit, oui monsieur, c'est pourquoi? Alors il dit, moi je voudrais du parfum. Il dit, ok, et vous monsieur? Il dit, moi je veux du pétrole. Alors celui qui veut du pétrole, il lui dit, viens, je vais te servir tout de suite. Et vous qui voulez du parfum, vous allez attendre. Je vais le servir d'abord à lui, et après on va ensemble chercher le parfum. Comme ça, moi aussi, je veux me parfumer avec vous. Comme ça, elle dit la Gemara. C'est une Gemara. C'est-à-dire, celui qui vient acheter du pétrole, c'est quoi? Il vient acheter quelque chose qui va brûler. D'accord? Elle dit, il vient acheter quelque chose qui est un combustible. Oui. Il va faire un feu avec ça. Tandis que celui qui vient acheter du parfum, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. Donc, quand quelqu'un il demande du parfum, on lui dit, attends. Maintenant, quand quelqu'un il demande du pétrole, on lui donne tout de suite. D'accord? Donc ça c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on dit en davar omed lifnei ratzon, qu'il n'y a rien qui peut tenir devant le ratzon, ça veut dire que maintenant ce que tu veux, tu vas l'obtenir, mais seulement si tu veux du pétrole, tu vas l'obtenir très rapidement. Si tu veux du parfum, ça va mettre beaucoup plus longtemps, et ça peut mettre même une vie, mais ce qui t'est garanti, c'est que tu vas l'avoir à la fin, ce que tu voulais avoir. Le cœur, c'est ce que tu voulais l'avoir. On peut avoir facilement le consommable. Voilà, ce qui est consommable et consumable, ça, on te le donne tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, si tu cherches à avoir... Si tu cherches un poste dans la Torah, tu veux être rave, il y a une formation, ça prend 5 ans, et tu deviens rave, tu as un métier. Ça, on va te le donner, il n'y a pas de problème. Si tu veux être un Oved Hachem, quelqu'un qui va servir Hachem, c'est un programme d'une vie. C'est pas un résultat, ni en 5 ans, ni en 10 ans. C'est une vie entière. On dit Avraham ben Nachman, toute sa vie, il a prié pour être humble, pour être un ave. Alors, la fin de sa vie, il était humble. Il a fini sa vie en étant arrivé à un très haut niveau d'humilité. Plus que ce que tu demandes, c'est quelque chose d'important, et plus ça va demander de l'attente. Parce que l'attente, elle fabrique les capacités de pouvoir supporter la lumière de la chose. C'est pas tellement l'aptitude. Tu peux avoir l'aptitude. Quelqu'un commence dans une boîte, il a 20 ans par exemple, ou 25 ans, il a fait les hautes études commerciales, ou je sais pas, il a des aptitudes. D'accord? Maintenant, on ne peut pas lui donner un poste de PDG d'une boîte. Pourquoi? Parce qu'à 25 ans, tu peux pas être PDG d'une boîte. Pour la plupart des gens, il y a eu des exceptions dans tout dans la vie. Pour la plupart des gens, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'une maturité dans l'entreprise pour pouvoir atteindre des postes comme ça. Parce que même quelqu'un qui sort qui sort d'une grande école commerciale avec des très bonnes notes et tout, et que même si c'est un génie dans le commerce, tout ce que tu veux, il y a un manque d'expérience toujours. Ce manque d'expérience-là, il ne peut pas l'inventer. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as le micro-ondes, d'accord? Tu peux chauffer quelque chose, tu peux cuire quelque chose.
Mais dans un micro-ondes, tu ne peux pas faire mûrir une banane. Tu vois? Si tu prends une petite banane verte comme ça, tu la mets dans le micro-ondes, elle va brûler. C'est tout. Mais la mûrir, la faire mûrir, tu ne peux pas. Parce que mûrir, c'est quelque chose qui fait avec du zman. Il faut attendre pour mûrir. Là, et, hein? Pour nommer les rabbinis.